Jean Zésaldo. Job président, c'est fait l'État fonctionner correctement, c'est fait institution au marché. Job président, c'est fait respecter décision de justice. Lors on a un jugement tribunal, non, mais on ne peut pas exécuter. Pas comprendre c'est commissaire gouvernement seulement, c'est ministre de justice, c'est président responsable. C'est ça que la Constitution en dit. Nous-mêmes, nous additionnons tout. Nous, le président, violé pas plus que 50 articles de la Constitution. Donc, sous responsable politiquement, ou pas qu'à battre bravo, bon bah, comme ça, ou pas qu'à demander pour ça continuer. Ou pas qu'à dire ou pas le négocier en bas par en bas. Ou pas qu'à dire ou pas le passer dans la tête de monde qui a violé la Constitution. Ou bon pays devant là, c'est peut-être sa deuxième objectif conférence là. N'a plancé journée aujourd'hui. Ça nous est opération sauver peuple. Opération sauver peuple là. L'Ichita sous trois roches différentes. Premier roche différent, c'est monter un nouveau type parlement populaire. Parlement populaire, ça, il y a un job pour mettre le président en accusation, pour destituer le cas échéant président et pour faire l'autre bagaille, pour le mettre dans l'agenda, pour le discuter avec tout le peuple là. Pour qui ça, nous-mêmes tout. Nous pas qu'à mettre un président autoproclamé dans le pays. T'as ça. N'attendons. Parce que si le président pas nous, il reconnaît le président autoproclamé de l'autre côté. Si le pays pas nous pas marcher, s'il a violé la Constitution, il n'y a qu'une raison pour ne pas mettre le président autoproclamé, pas non plus. Allez, 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 Nabdi, deuxième mouvement dans l'opération Sauver Peuple. Nous travaillons là sur un mouvement jeune. Un mouvement jeune qui pour faire procès Petro-Caribé avancer. Nous connaissons procès à pas qu'avancer avec monde si là. Mais il faut qu'il y ait une mobilisation qui pour faire avancer. Et ça, c'est tout jeune qui pour participer là-dedans. Qu'on en politique, qu'on pas en politique. Son bagage national, son bagage patriotique, son mouvement civique que lié. Il faut nous faire exemple ça dans le pays. Si nous ne pas faire, nous finissons la guerre au niveau international. Et si nous avons nos campés, nos pays, nous avons perdu la dignité de nos primales. Le troisième mouvement, c'est la grande mobilisation. C'est mobilisation ça pour permettre que les décisions qui sortent dans le Parlement populaire qu'on exécute. Donc mobilisation, les gagnants pour objectif, pour appuyer et rendre possible décision qui a sorti dans le Parlement populaire. Je dis, nous dit troisième objectif là, c'est 18 mai capines là. Nous-mêmes dans FOPLA, nous toujours dit, nous avons redit encore, depuis ces mouvements dans la rue, cap fait pour voyer gouvernement tête calée à aller, nous-mêmes nous la donnons. Nous la donnons et n'a pas appuyé. Nous demandons commission mobilisation par nous, continuer à faire contact pour appuyer tout ça cap fait pour 18 mai. Ça que la conférence de sécurité, c'est un bagage qui planifie nous dit, et il y a des équipes qui ont intérêt que le pays a en boulacha, pour la sécurité ça qui est là. Et ça, nous dénonçons le fait que des bandits à col, dans le palais, dans le bourgeoisie, réduit petit peuple là au regard de bandits. Qui ça vous fait? Au lieu d'aider la population à sortir côté là, dans l'école, dans les centres de santé, dans le quartier brûlé, dans les eaux potables, dans le bail, possible que les quartiers propres, pour les vivre. Pour que le pays, ils investissent dans gros âmes, acheter gros âmes, bail les quartiers brûlés, dans le cob, pour mettre les gens en face de l'autre, pour faire qu'ils aient la terre. Ça, c'est ce que nous dénonçons. Et on dit que il y a deux raisons qui font que il y a deux groupes qui ont intérêt là-dedans et qui ont alimenté cette sécurité. Il y a un, nous avons le pouvoir. Peut-être que Jean-Henri Victor dit là, il n'est pas dirigé, c'est des rapaces qui ont ce peuple-là, qui ont ramassé, qui ont volé, qui ont fait corruption, qui n'ont pas aucune réponse pour voter. Nous connaissons que, en général, les gens prennent le pouvoir. Pourquoi vous ne ramassez pour pouvoir pour des réponses? Comme pour ça va pas avoir aucune réponse. Maintenant, il connaît que dans les quartiers populaires, c'est espace pour des cas de révolution, là où le cas fait un peu plus. Qui ça le fait? Il mettait quelques négazams pour qui met le peuple là dans une répression terrible, qui est bien l'intérêt de manière à sortir pour la revendiquer douane. C'est quoi chez ça là? Donc, puisque vous avez des postes de voter, les postes de voter, c'est la violence qui est établie pour faire que le peuple soit organisé, pour le voir la situation et pour prendre la rue et faire ça pour le faire. Il y a des zones, le peuple a vu sortir, mais il y a des bandits, des gens qui sont bandits qui ont sorti, qui ont pris le droit. Donc, pouvoir gagner, intervenir ça, et nous avons des preuves, nous avons des indices qui montrent que le pouvoir, tel qu'il y a, non question appuyer bandits, puisque la question mettre les bandits dans tous les côtés pour empêcher les peuples là et pour prendre la rue, pour prendre les douanes. Deuxième équipe pour la bourgeoisie, qui prend tout pour eux, qui la peuple là, dans salier là, là, et qui pas capable de réponse tout, et qui pas aider pour des réponses, maintenant, il y a intérêt que le peuple là, dans la situation côté, ils sont les qui vivent, la veille pas carbone, il va acheter pour réfléchir, pour l'organiser, pour le prendre des seuls en main. Et chaque là. Donc, parce que c'est ce qu'il a, nous-mêmes, nous deux seuls, on est malveillants, vagabondage grave. Si nous fâchons, nous fâchons contre ça. Nous fâchons contre l'équipe qui a monté la population, et c'est eux qui sont des bandits qui pour théoriser là. Véritable victime, c'est Timachmen, élèves d'école, étudiants, professeurs, journalistes, tout le monde, toute masse peuple là, c'est véritable. Victime. Comme victime, nous regardons pas croiser. Ça qu'il a, il fait nous fâcher, mais il indigne nous. Là, nous indignés, indignation de retour à l'action. C'est pour ça que je dis. Nous disons que il y a des mecs qui fêtent et qui pas le faire. Et parmi ces pas le fêtes, 18 mai, nous demandons tout le monde, tout le pays, prend la rue pour qu'ils connaissent nous, pour qu'ils sacrent la bataille. Et il faut nous battre, cause des batailles, de façon que rapidement, équipe. Puis il y a risque là, le cap national, pas de palais, pour permettre que le peuple puisse respirer, continuer là. Donc, nous avons seul impératif, nous avons seul travail à faire, c'est mobiliser. Et c'est pour ça, force, commission de récision, tout le monde, carré chez eux, tout le monde, mobiliser pour que nous arrivions, parce que le pays continue là. Continuer là, c'est trop, nous sommes à la colle. Nous disons tout le monde, nous sommes le mot d'ordre, c'est les rattraper. Merci. Membre de FOPLA qui, dans un contexte très difficile, qui prend pile engagement pour nous créer un instrument politique nécessaire pour nous mener la bataille politique là ensemble. Alors, nous avons profité de l'occasion pour nous présenter le comité exécutif FOPLA qui a une mission pour mener qu'aucune organisation ça dans la bonne direction. D'abord, on a commencé par le commencement. À tout seigneur, à tout honneur. Mon nom est Jean-Henri Victor qui représentait mon pote dans le comité exécutif FOPLA. Gracia, Jean-Charles Gracia, qui représentait Petit Dessaline dans FOPLA. Josué Mérilien, qui représentait Covid Organisation Syndicale et Politique dans FOPLA. Camarade Mario Coti, qui représentait ESCAP dans le comité exécutif. Jean-René Thomas, qui représentait Renacor. Hébert Policarp, qui représentait MRA. Henri Destino, qui représentait plateforme jeunesse haïtienne dans le comité exécutif là. Nous avons dit, quand même, le comité exécutif là, on petit campé. Et alors, m'a tout ajouté, il y a 3 porte-parole officiels qui désignés en dedans FOPLA, qui ont une mission pour porter parole FOPLA. C'est l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse, qui malheureusement en voyage, et Serge Jean-Louis Volley-Serviteur, Josué Mérilien, c'est 3 porte-parole officiels. Nous demandons, applaudis quand même. Merci, petit, allez vous y aller.